Vente d'un deuxième 4 feuilles, j'ai parfait, trans dommage critique à 8,5 millions. Un petit geste très sympa de la part d'un abonné qui avait une migration de Draconiros vers ImageHero, ImageHero étant le serveur où j'ai ma team, tous mes persos, qui avait quelques camas en rab et qui m'a proposé de me rapatrier des items s'il y avait des choses qui m'intéressaient en hôtel de vente. Je vous détaille un peu plus tard dans la vidéo ce que je lui ai pris. Encore une vente d'un 4 feuilles, j'ai parfait, trans dommage critique à 8,5 millions. Donc un grand merci à cet abonné qui me rapatrie des items de Draconiros vers ImageHero pour 65 millions 7. On a ici une ceinture Strigide achetée 15 millions sur un jet, bon voilà, qui est un jet un peu éclaté, c'est de la ceinture Strigide, c'est très compliqué de choper du vrai jet là-dessus. On a notamment un gros manque de sagesse, mais on est sur quelque chose de très propre sur à peu près tout le reste sauf le soin. J'en ai besoin de tellement des ceintures Strigide dans des modes offensifs en PVM multi de crit que voilà, du jet full perf sur les stats offensives. En 60 puissance, ça me plaît bien. Donc je me suis dit, allez hop, ça m'avancera sur les mods. On a à côté de ça un bivalve PA. C'est un jet qui est vraiment balèze. Nir perf en dopou, perf en fuite en dommage sort. Il n'y a pas les soins, mais c'est pour jouer sur un upper mage. Un joli GPA à 17 millions. Un autre bivalve PA, celui-ci en perf soin, perf dommage sort, avec pas mal de fuite et très peu de dopou. Celui-ci, c'est plutôt pour aller sur un Nosamodas PVM. Voilà, je me suis dit, les soins, ça fera plaisir sur un Osamodas feu à 15 millions. Et deux Dofus achetés à 9 millions pièces, si ma mémoire est bonne, sachant que c'est 15 millions sur ImageHero. Et donc, ils m'ont été achetés à 9 millions sur Draconiros. Voilà, petite livraison d'items qui rentrent dans mes stuffs et qui font plaisir. Et c'est très sympa de la part de cet abonné de m'avoir spontanément proposé de m'en ramener, puisqu'il avait une migration et quelques camas en stock. Alors, la petite surprise qui fait plaisir, j'étais en train de faire ma routine Almanax avec mes persos, mes mules. Alors, pour l'histoire, je le fais sur 20 comptes et 3 persos par compte, donc je fais sur 60 persos tous les jours de l'Almanax. Sachant que j'ai ma team principale qui l'a déjà, mais là, c'est des petites mules secondaires. Et j'ai la bonne surprise, après avoir rendu l'offrande du jour, de voir un petit point d'interrogation vert qui pop sur 2 persos. Bien écoutez, apparemment, on est parti pour choper du Dolmanax là. Bah super, ça fait 20 millions qui rentrent. Et je suis trop content parce que j'étais justement en train de me dire que j'ai fait un nouveau crack, j'ai ajouté à ma team et que j'avais besoin d'un Dalmanax et qu'il me manquait un. Et bah ça arrive vraiment tout pile poil. Et on était en train de discuter avec le chat pour se demander est-ce qu'on a le Dalmanax plusieurs fois par compte si on fait le Dalmanax sur plusieurs persos sur le même compte. Bah du coup on a la réponse. Ça tombe vraiment à pic, bah deux Dalmanax qui proc. Incroyable. Sur des petites mules qui font que ça. Bah c'est magnifique, super, ça régale. Et ça va, du coup, il y en a un qui ira sur mon CRA, mon nouveau perso principal, et l'autre que je pourrais vendre. Sachant que du coup, je peux en utiliser un lié peut-être dans un de mes mods et vendre celui que j'avais déjà délié, donc je crois que je peux les vendre instantanément. Bref, voilà, vraiment ça met de bonne humeur, c'est cool, je m'y attendais pas. En fait, je le fais sur plein de persos qui sont un peu désynchronisés. Et je check pas spécialement où j'en suis, donc des fois j'ai un Dalmanax qui pop comme ça. C'est la surprise du jour. Bah trop cool, trop bien, je suis refait. Vente de sandales des fonds marins, j'ai parfait, y compris j'ai parfait en prospection, trans dommage distance à 5 millions de kamas. C'est un item que j'avais fait pour aller sur des modes au PVM, et j'ai changé de mode suite à la sortie de la panoplie Barbéril, qui permet d'avoir plus de dégâts sur la voie haut. Donc je me débarrasse de ces items. 5 millions, c'est pas très cher pour un jet aussi beau, même si c'est pas un item spécialement difficile à faire. Achat d'une surprise iridescente à 2,5 millions pour aller sur mon nouveau CRA principal. Achat d'un sac du Staka Novice j'ai parfait Transforce à 280 000 kamas pour aller sur un stuff pod. Achat de quelques petits trophées force pour un stuff pod, on a un forcené, on a un enragé, et si ma mémoire est bonne, on a également un furibond. Mais j'avais vérifié que c'est plus rentable à acheter qu'à crafter. Parce que là on est en EcoCraft, mais il y a quand même des prix pas très élevés là. C'est bien pratique. Petite vente de Rutil qui fait bien plaisir. Alors normalement je vous mets pas ça dans les vidéos d'achat-vente d'items évidemment, mais normalement le prix il était autour de, on va dire, 10, 12, 14 000 unités sur les Rutil. Et là on est juste après la mise à jour nerf du donjon de DD. Et bah ça passe à plus de 30 000, donc modif assez impressionnante et j'avais un peu de stock. Donc quand j'ai vu les petites lignes dans le chat là, plus 3 millions de kamas pour 100 Rutil, je me suis dit oh là là, il faut que je garde un souvenir de ça. Parce que en termes d'opportunités économiques, c'est quand même assez balèze. Vente d'une amulette de Nilesa, j'ai parfait, y compris sur la prospection, à 3,5 millions.
Voilà, petite vente qui fait plaisir, un bel item qui est un petit peu dépassé aujourd'hui éventuellement. Ça peut encore se jouer dans certains modes feu. L'item en soi est pas dégueu, mais il est concurrencé par d'autres alternatives qui sont peut-être un peu plus au goût du jour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo achat-vente d'items. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.